Donc une combinaison d'effet MIDI et d'effet audio. Donc on voit bien ici, j'ai mon instrument opérateur. Donc l'effet MIDI qui est en amont et donc les effets audio qui sont en aval puisque le son sort de l'instrument ici. Et donc l'arpégiateur ici modifie les notes MIDI qui rentrent à l'intérieur de l'instrument. Et ensuite les effets audio modifient donc le son qui sort de l'instrument. Donc ici j'ai juste pris trois oscillateurs, j'ai fait des courbes rapides avec donc un clip simple, une suite d'accords comme ça. Alors le son pour le premier oscillateur. Pour le deuxième. Pour le troisième, donc la combinaison des trois, ça donne ça. Donc j'ai mis une reverb. Alors j'ai pas fait de réglage très précis, j'ai juste coupé les basses ici et la diffusion pareil. J'ai réglé le decay time. Donc j'ai pas réglé le pré-délai. Donc c'est ce que je pourrais faire. Donc ici 60 000, donc divisé par la vitesse du séquenceur, 170, puisque c'est 70 BPM par minute, alors qu'on a le réglage ici en millisecondes. Donc j'obtiens une valeur que je divise par 4, que je redivise par 4 et que je redivise par 4. Donc on est à 5,51. Voilà, donc j'ai réglé le temps du pré-délai. J'ai mis un simple délai ici. En accentuant donc comme j'ai mis un réglage de 3 et de 5 sur la voix gauche 3 sur la voix droite 5, on a comme un ping-pong délai puisqu'on a un décalage entre les deux voix. Et donc ici l'arpégiateur, je l'ai mis donc en diverge. Et donc je règle ici la vitesse de répétition et ici la longueur des notes qui sont tenues. Donc l'arpégiateur va jouer les notes une par une plutôt qu'en accord. Si j'ai réglé la transposition aussi sur 4, donc on monte de 4 étages comme ça, puisqu'ici je suis réglé sur 12 demi-tons, donc une gamme entière. J'ai mis un rythme avec. Alors comme ensuite on a le son donc en RMS, plus le son est long, plus il est fort. Là on s'en aperçoit bien puisque quand je mets des notes qui sont courtes,
j'ai un son qui est moins fort. Qui devient plus fort quand j'augmente donc la longueur de mes notes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut considérer au mixage, puisque quand on va monter la longueur des notes, le son en lui-même va monter. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de mettre un limiteur en aval pour compenser justement le fait qu'en allongeant les notes, on augmente le gain. Donc je vais allonger les notes, je vais réduire ici ces lignes. Voilà, donc maintenant je me retrouve avec un gain qui est assez similaire quand j'ai les notes courtes et les notes longues. Que l'imiteur entre en action quand j'allonge les notes. Donc cet oscillateur-là travaille dans les graves puisque j'ai réduit ici le paramètre corse. Celui-ci est dans les aigus puisque je l'ai monté et celui-là est dans la valeur normale puisque je l'ai laissé sur 1. Donc on pourrait rajouter un compresseur juste pour s'en servir de sidechain. Donc on le mettrait après la reverb, comme ça la reverb serait compressée. Et donc en input, je mettrais donc ma rythmique. Donc ici pour avoir la pré-écoute. Et donc si je veux que le son soit compressé que par le kick du rythme ici, je choisirai donc le filtre low pass. Et donc je baisserai le threshold pour avoir un niveau de compression pour compresser donc ce son là via la basse de cette piste là.
Maintenant, chaque fois que le kick joue sur cette piste-là est compressée. Donc en réduisant l'attaque, je réduis le temps de réponse du compresseur. Et ici, il réalise le temps de relâchement, où on pourrait le mettre en automatique. Donc j'ai une réduction du gain à chaque fois que le kick de cette piste-là joue. Donc ici avec cette boule là on peut ajuster le gain et le niveau de compression. Voilà, si je baisse le niveau de compression, je remonte le gain. Et là, comme la compression en sidechain est derrière la reverb, si je freeze la reverb, le son que je vais avoir freezé sera toujours donc compressé. C'est pour ça que l'ordre des périphériques est important. Donc on pourrait même rajouter un ampli pour détériorer un petit peu le son. Et apporter des harmoniques au son.
Donc voilà, en ayant mis ces effets-là, si je les désactive tous, on était parti de simples accords comme ça. Donc les notes ont tendance à être plus saturées quand elles sont longues que quand elles sont courtes, puisque le signal entre plus fort dans l'ampli et dans le saturateur du fait que les notes sont plus longues. Voilà ce qu'on peut obtenir avec la combinaison d'effets MIDI audio, surtout audio, puisque MIDI on en a quand même moins que les effets audio, puisqu'on modifiera que les valeurs de notes MIDI qui rentrent dans un instrument, alors que les effets audio modifieront le son en sortie, donc qui concernera les instruments et tous les clips audio qu'on peut lire dans les pistes audio. Donc on peut rapidement arriver à quelque chose de... bien différent par rapport au simple accord que j'avais joué dès le départ.